La région permet la décentralisation du pouvoir, c'est-à-dire le transfert d'une partie des compétences de l'État vers des collectivités. Administrée par le Conseil régional et son président, elle dispose de moyens financiers provenant d'impôts locaux, dotations d'État ou fonds européens. Son domaine d'action principal, le développement économique. La région a la compétence exclusive. Elle définit les régimes d'aide aux entreprises, soutient la création et la reprise de sociétés. Elle encourage l'innovation en lançant des appels à projets, en finançant des thèses. Elle anime aussi les pôles de compétitivité, regroupements d'entreprises, de centres de formation et de laboratoires. Autre mission, l'aménagement du territoire. La région élabore un schéma d'aménagement durable pour coordonner l'action publique. Ponts, routes, rénovation énergétique, services publics, elle fixe des objectifs en matière d'infrastructures et équipements et participe à leur financement. Elle optimise la mobilité pour réduire l'impact climatique, planifie la gestion des déchets, favorise le développement des énergies renouvelables, s'occupe des parcs naturels régionaux. Les transports sont aussi sous sa houlette, comme le TER Trains Express Régionaux. La région met en place la tarification, achète de nouvelles rames. Elle favorise les circulations douces avec des pistes cyclables, parking à vélo. Depuis peu, tous les transports interurbains lui sont confiés et à partir de 2017, les transports scolaires. Côté éducation, la région gère les lycées, l'apprentissage et la formation professionnelle. Elle construit, équipe et modernise les bâtiments, rémunère le personnel non enseignant, finance les CFA. Elle peut aussi octroyer des bourses, aider à l'orientation et à la mobilité internationale. En matière de tourisme, patrimoine, culture, soutien à la création, sport et vie associative, accès aux soins, les compétences sont partagées avec d'autres collectivités, mais la participation régionale reste essentielle.